والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول ما بعد شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسأل الله سبحانه وتعالى le Très-Haut, le Tout Miséricordieux, Maître des mondes et de l'univers, nous avons accordé Iman. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir choisi parmi toutes les personnes de venir tôt à la masjid pour attendre la Salatul Jum'ah. Aujourd'hui, avec l'environnement dans lequel on vit, il y a une ibadat que nous délaissons de plus en plus. Ou bien que nous ne faisons plus, c'est Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Oh Allah, c'est seulement à toi que je demande de l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans la Sourate Al-Fatiha ce dua-là, cette demande-là, et on le fait au minimum 17 fois par jour. Oui, 17 fois on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Allah subhanahu wa ta'ala est là pour nous. Lui, c'est notre créateur, créateur de l'univers, créateur des cieux et de la terre, créateur de toute situation, et il est capable de débloquer n'importe quelle des situations. Cette conviction qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de développer notre tawakkul, c'est-à-dire notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire l'effort dans ce qui est bien, il faut dans notre travail, dans notre rituel, dans notre façon de faire, c'est conforme aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka nasta'in. Oh Allah, c'est seulement à toi que je demande de l'aide. Il faut qu'on sente au plus profond de notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, qu'il n'y a personne d'autre à part Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous aider. Quand, comment, de quelle façon, de quelle quantité, cela nous importe peu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aider. Il faut vraiment vivre cette situation et prendre conscience de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on arrive, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est le milieu de la sourate Al-Fatiha. C'est une des plus beaux ayats, les plus beaux versets du Coran. C'est auprès de toi seul que nous cherchons de l'aide. Iyyaka na'budu, c'est l'objectif de la création, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, il faut l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. On remarque qu'il y a une répétition. Iyyaka, c'est pas Iyyaka na'budu wa nasta'in, c'est Iyyaka et Iyyaka. Une répétition qui apporte de l'emphase. Iyya, Iyya, ça apporte de l'emphase, ça met de l'emphase dans cette phrase. Et en plus, lorsqu'il est placé avant le verbe, il y a le mot Iyyaka, après na'budu, le verbe adorer. C'est-à-dire l'engagement qu'on prend d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il est un engagement très fort, très puissant. Et l'engagement qu'on prend lorsqu'on a une difficulté de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de très important. C'est un grand engagement qu'on fait envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas rien. C'est ce qu'on a dit, Iyyaka nasta'in. Ce mot-là donc est placé avant le verbe. Maintenant, nasta'in. Autre chose, le mot qui est utilisé, le mot aide. Il y a une douzaine de mots pour définir l'aide. On a nasr, on a musa'ada, on a madad, et on a aoun et d'autres mots. Allah subhanahu wa ta'ala ici utilise nasta'in, al-aoun. Aoun, c'est une aide qui est très particulière. Et ce mot, si on le comprend bien, peut ouvrir les portes de la compréhension de notre vie. C'est toi seul que nous demandons de l'aide. On donne cet exemple-là. On est en train de conduire. Et tout d'un coup, le pneu, il pèse, crève le pneu. Donc, on se gare sur le côté. On fait l'effort d'ouvrir la porte, ouvrir le coffre, dévide le coffre, tire à la roue.
monte le creek, parfois on a la pluie tombe, parfois on est dans la nuit, on est fatigué, on commence à... on a plus de... on est épuisé. Et tout d'un coup, donc quelqu'un qui passe, on dit, ben, est-ce que tu peux m'aider? Donc il t'aide à finir le travail. C'est ça, Al-Aoun. Nastarine, c'est quoi? Si on commence le travail, on commence à faire quelque chose, mais on ne peut plus finir. Ou bien on a besoin d'aide pour finir. C'est en Nastarine, on demande l'aide pour finir ce travail. C'est pas comme l'autre personne, à l'opposé, qu'il a crevé, il reste là, et il attend dans ce loto. Quand un monde passe, il dit, ah, viens, tu cours, on gagne d'un moins. Change la roue, il dit oui, ben, voilà, il y a un bouton là en plus dessus, ça rouvre le coffre. Ou ça va dans le coffre, ou dévide le coffre, ou tire la roue, ou monte le cric, à moi il reste dans la voiture, il m'écoute radio. Non, ça c'est pas demander de l'aide, ça c'est être paresseux. Et certaines personnes disent que Allah Ta'ala ne m'aide pas, mais demande, mais ne m'y aide pas. Mais est-ce qu'on a fait l'effort de commencer ce qu'on a besoin de faire? Et après, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vient. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il va être jeté dans le feu, Jibril alayhi salam, il vient et dit, tu as besoin d'aide? Il dit, si c'est Allah ta'ala qui t'envoie, oui. Mais si c'est de toi-même, non. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le feu de devenir doux. Il ne sait pas le feu, comment va venir. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de se reposer auprès d'un homme. Il a attaché, vous savez toute cette histoire, il a attaché son épée. Et là, un bédouin arrive, prend l'épée, dégaine l'épée, met sous le cou du prophète, après lui donne un coup de pied, il dit, réveille-moi là, qui peut te délivrer de moi? Le prophète réveille, mais il n'a pas peur, il dit, qui peut te délivrer de moi? Le prophète le regarde, on va dire sereinement, presque en souriant, il dit, ben, Allah, tout simplement, Allah. Et là, à ce moment-là, il a voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sa main est restée immobile. Le prophète se lève tranquillement, reprend son épée, et maintenant il fait un verset. Qui peut te délivrer de moi? On a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, justement, vous avez pu vivre peut-être cette situation-là, des situations qu'on ne peut pas expliquer. Parfois, on a un entretien à faire, on a un rendez-vous, on a une confrontation, parfois on a une imagine des stratégies, comment on fait, etc. Mais si on est dans notre droit, si on a mis en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala fait de manière que tout se passe incroyablement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça s'est déroulé, cette réunion ou bien cet entretien. Iyyaka nasta'in. Lorsqu'on dit cette phrase-là, ce verset-là, il faut qu'on ressent cela, qu'on enlève tout et on est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, j'ai fait l'effort, mais j'ai besoin d'aide. Aide-moi maintenant. Parfois, lorsqu'on a des dettes, cela nous fatigue. Mais si on a pris l'engagement ferme de rembourser, on fait l'effort, avant de mourir, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider à tout rembourser. Par contre, de l'autre côté, si on dit, ben, non, ben, de toute façon, il n'a pas fait l'argent, il n'a pas besoin de rendre ça. Il dit qu'on va comprendre, Allah ta'ala ne va pas l'aider. Et ça doit être très compliqué si on meurt avec les deux. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. À propos de cela, dans Sahih al-Bukhari, il y a un long récit. Le prophète Hassan il raconte disant que dans les Banu Israël, il y avait une personne qui avait besoin de 1000 dinars, 1000 pièces d'or. Il a demandé à des personnes, il a trouvé une personne, est-ce que tu peux me prêter? Il a dit oui. Alors, la personne dit, ben, c'est qui le cautionnaire, c'est qui le garant? Kafa billahi wakila. Il répond, il dit, ben, c'est Allah Ta'ala me suffit comme garant. Ah bon? Mais qui est témoin alors? Kafa billahi shahida, Allah Ta'ala est mon témoin. Et ces deux personnes, il a fait iman en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, ben, tu as raison. Voilà, je te prête cet argent-là, mais toi tu me rends telle date, telle. C'est bon. Cette personne prend 1000 dinars et il prend le bateau, il va faire son projet ailleurs, comme c'était prévu. Et arrivé le moment pour rendre, donc il a pu travailler, il a pu avoir de l'argent. Maintenant, pour rentrer, il faut reprendre le bateau pour venir. Mais il n'y a plus de bateau. Il est bloqué. Alors il s'inquiète, il dit, mais j'ai pris l'engagement. Il dit, Allah, je t'ai pris comme témoin, comme garant. Je dois rendre, là j'ai cet argent, comment rendre? Alors il n'y a pas de bateau, il ne peut pas. Alors il a cette confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, il va prendre un tronc,
un morceau d'arbre, il va mettre l'argent dedans. Tâchez bien, il met dans l'eau. Il dit, Allah, c'est toi qui dis tout. De l'autre côté, la personne, il attend. Ah, le moment est arrivé, il va sur le port, il n'y a pas de bateau. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, une personne, il m'a fait cette promesse-là. Il a pris garant avec Allah, subhanahu wa ta'ala, comme... Il n'a pas respecté. Ben, le... Et là, lorsqu'il retourne comme ça, il passe à côté le fleuve, il voit un morceau d'arbre qui flotte comme ça. Il va récupérer ça pour l'hiver, pour chauffer. Et lorsqu'il prend le tronc, il fend le tronc comme ça, il voit l'argent des gens. Avec un mot. Ça vient de telle personne. Et là, qu'est-ce qu'il dit? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Raconté dans Sahih al-Bukhari. La personne, lorsque maintenant il a eu le bateau, il revient quelques temps plus tard, mais le temps était terminé pour payer. Il arrive, il dit, excuse-moi, j'ai pas eu de bateau. Il a dit, ben, Allah ta'ala s'est acquitté de tes dettes. Il dit, pourquoi tu as reçu? Il dit, oui. Parce qu'il est revenu avec de l'argent, il dit. Ça, c'est Allah ta'ala, il guide tout. Si on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tout faire. La sourate al-Fatiha, donc il nous apprend que la réussite se trouve dans deux choses. Réussite dans ce monde et dans l'autre monde. C'est on fait ses propres efforts et en même temps on demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sha'arabi rahimahullah dit en ce sens que il y a na'boudou avant, après il y a nasta'in. Parce que lorsque on doit d'abord se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on a mis en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais là on peut demander, nasta'in, pour demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour terminer, vous savez tous lorsqu'on dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Lorsqu'on dit ça, Allah ta'ala qu'est-ce qu'il nous dit? Hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'ala. Il a dit, ça c'est entre moi ça. Il a demandé quelque chose. Cette demande, c'est entre moi et mon serviteur. Et en plus de ça, mon serviteur va obtenir ce qu'il demande. C'est entre moi et Allah, en tête à tête, en privé. Personne avec nous. On laisse tout, on se confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir cette capacité de comprendre qu'on a pu attirer l'attention du Créateur. Malgré tous nos péchés, malgré tous nos défauts. Lorsqu'on dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in », Allah Ta'ala dit « Oui, quand on a besoin, viens. » C'est ça le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est important de faire la salat. Parce qu'on le dit dans la salat. Il est important, même si on a raté la salat, de remplacer, de bien faire le wudu et de profiter de ce moment de joie lorsqu'on est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit cette phrase Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ce moment intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, pas besoin de rendez-vous, pas besoin d'attendre des mois, des heures pour avoir un rendez-vous direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un dua. La sourate al-Fatiha, on peut le lire après chaque salat, on peut le lire n'importe quel moment. Lorsqu'on fait dua, c'est un dua, ça, c'est extraordinaire. Donc on demande dua. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Et là on s'arrête. Et là on demande ce qu'on a besoin de demander. Et là on demande. Parfois on dit, on doit être extraordinaire, là on a besoin. On est malade. Pour faire qu'est-ce qu'il a fait sur Aïcha? Il a lu 7 fois sur le Fatiha. Il a passé à l'endroit. إياك نستعين. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. On demande. On a fait l'effort. On a pris les médicaments, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le guérit. Donc je termine là. Que demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fasse comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique. Et en ce début d'année, on prend cette résolution que lorsqu'on a des difficultés, on se retourne en premier envers Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillah.